Salut tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit Get Ready With Me, nouveauté Kiko. Alors faut savoir qu'hier je suis allée chez Kiko avec ma fille. C'est un nouveau Kiko qui vient d'ouvrir à La Rochelle. La petite boutique, elle est vraiment super sympa, c'est vraiment très joli. Il y avait beaucoup de monde. Je crois que les gens, voilà, les femmes attendaient impatiemment qu'il y ait Kiko à La Rochelle, donc il y avait pas mal de monde et la boutique donnait vraiment envie d'acheter des trucs. Là, c'est vrai, c'est marrant parce que d'habitude, les Kiko, c'est un peu le bazar. Enfin, ça dépend des Kiko, mais il y a des Kiko où c'est vraiment le bazar. Et puis, les gens ont mis leurs doigts dans les trucs et tout. Enfin, ça donne pas envie d'acheter. Là, j'avoue, la boutique est plutôt sympa, plutôt jolie. Ça donnait vraiment envie d'acheter. Il y avait pas mal de choses mises en valeur et finalement, sans que ce soit des nouveautés, sans que ce soit des collections capsules, parce que vous savez qu'à chez Kiko, tous les, je sais pas, tous les 2-3 mois, il y a des collections capsules comme ça qui sortent. Là, il y a des nouveaux produits de la collection permanente qui sont sortis. C'est plutôt sympa. Notamment un skin tint que j'ai pas acheté, mais je regrette un petit peu. J'aurais dû l'acheter pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. C'est un espèce de fond de teint très fluide avec de l'acide hyaluronique dedans. Je l'ai pas acheté parce que j'ai déjà beaucoup de choses. Voilà, il faut aussi savoir. Voilà, savoir être raisonnable. Mais j'ai quand même acheté trois petites choses sympas. Et puis Jeanne, ma fille, a acheté aussi quelque chose de des petites choses sympas. Donc j'ai dit, je vais faire une petite vidéo. Et puis on va faire ça ensemble, quoi. On va se maquiller ensemble. Un petit Get Ready With Me sympa. J'ai ressorti donc mes produits Kiko de la collection permanente. Il n'y a que le primer qui n'est pas de la collection permanente, mais ça fait plusieurs fois qu'il sort ce primer. C'est celui-ci qui s'appelle, ça c'était, je sais plus quelle collection, le Bella, 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 je sais plus ce que c'était comme collection. Mais c'était une petite collection capsule. Ça fait plusieurs fois que je le vois celui-là et je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai d'ailleurs fini une fois et j'en ai racheté un quand je l'ai vu sorti il y a quelques semaines de ça. Et voilà, il est déjà quasiment terminé. Vraiment, est vraiment sympa. Les blushs de la collection permanente qui sont absolument magnifiques. Ça, les Velvet Touch. Je vous les conseille fortement, que ce soit le contour ou les blushs. Il y a aussi des highlighters dans cette collection-là. C'est super sympa. Donc là, c'est ça qui a été mis en avant hier au magasin. Qu'est-ce qui était mis en avant aussi? Les lip oils et les lip gloss. Moi, j'ai acheté un lip gloss, le 3D Hydra. J'ai acheté la couleur 18. Regardez, super beau. Donc ça, on va se maquiller avec ça. J'ai acheté également le nouveau mascara qui s'appelle le Maxi Mode. C'est un mascara volume et définition. Voilà comment il se présente. C'est un nouveau mascara qui est sympa avec une toute petite brosse comme ça. C'est pour ça que j'avais envie de l'essayer. C'est une petite brosse qui est pas en poils, hein, vraiment en silicone. Donc ça, j'avais envie d'essayer. Et puis j'ai craqué sur une palette, ce qui est complètement dingue. Parce que figurez-vous que j'avais envie de revendre mes palettes parce que j'en ai trop. Et puis finalement, hier chez Kiko, bah, j'ai craqué sur cette palette. Voilà, c'est une nouvelle palette. Et si vous regardez bien, voilà, elle n'a rien de foufou. Mais alors, j'ai mis les doigts dedans. J'ai eu le malheur de mettre les doigts dedans. Et j'ai adoré. Donc voilà. Donc on va se maquiller avec ça. J'ai pris quelques produits sympas. Ma fille a acheté le Prime and Fix, une brume rafraîchissante. Pareil, c'est tout nouveau. Il y a une petite bulle dedans, ça a l'air sympa. Et puis, je lui ai piqué un petit highlighter. Ça, c'est pareil, c'est collection permanente, c'est efficace, c'est génial. Et puis, j'ai un petit crayon aussi de chez Kiko. Pareil, collection permanente, génial. Et les longs lasting, les lip liners qui sont absolument superbes. Donc, on va se maquiller avec ça. Il y a beaucoup de soleil, la lumière n'est pas géniale. Je ne veux pas me plaindre, hein, le soleil c'est super. Et puis voilà, j'ai pris ma rotation pour tout ce qui est anti-cerne, tout ça. Et puis c'est parti. Donc je vais mettre un petit peu de primer. Le primer, donc c'est celui de chez Kiko. Il est super celui-là. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est l'un de mes primers préférés de tous mes primers. Parce que je l'aime, pourquoi? Bah parce qu'il donne un petit glow comme ça, très sympa. Il hydrate vraiment bien. Et voilà. Et il fixe très très bien. Donc, ok. Ensuite, je vais mettre un peu de fond de teint. Alors, pour le fond de teint,
J'ai voulu essayer le Skin Tint de Kiko et vraiment il avait l'air sympa. Il est à 16,99 €. Il n'était pas très cher en plus. Vraiment, j'ai vraiment hésité. Et puis, moi, il faut que je termine. J'ai pas mal de fonds de teint, notamment le Superstay que j'adore. J'ai vraiment des fonds de teint que j'aime beaucoup, beaucoup ici à la maison. Eh ben, je me suis dit, il faut d'abord que je les termine. Il faut être raisonnable. Ça sert à rien d'acheter des milliards de trucs. Donc, je me suis, voilà, je me suis empêchée d'acheter le Skin Tint. Et là, hop, je vais mettre celui de chez Maybelline, qui est vraiment super. Je sais pas si vous voyez très bien. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Vraiment, il y a énormément de soleil. Il fait un temps magnifique. Et après cette vidéo, on va aller se promener. On va aller à Brouage, visiter la citadelle que je ne connais pas. C'est hallucinant. Je vis en Charente-Maritime depuis maintenant 3 ans. 3 ans passés. Et il y a encore plein de choses que je ne connais pas. Donc, ce skin tint là de Maybelline, il fait vraiment l'affaire, il est génial. Donc, je me suis dit, je ne vais pas racheter celui de chez Kiko. Mais c'est vrai que je l'aurais bien essayé, il est vraiment sympa. Ok, ça c'est cool. Ensuite, je vais voir si je peux pas vous mettre ailleurs comme. Hop là, est-ce que c'est pas mieux comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau de la lumière, est-ce que vous préférez? J'en sais rien du tout, vous me direz. Donc, ensuite, je vais mettre de l'anti-cerne. Pour mon anti-cerne, je prends celui de chez L'Oréal. De ma rotation, il est super. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je l'aime beaucoup. Je ne mets pas de correcteur aujourd'hui. On est dimanche. Normalement, le dimanche, je ne me maquille pas. Mais là, j'avais trop envie d'essayer ma nouvelle palette Kiko. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une vidéo pour mes abonnés. Et c'est aussi pour moi, parce que comme ça me permet de me maquiller, vous comprenez? Donc, je mets un petit peu d'anti-cerne. Voilà, juste dans le coin des yeux. Et hop là, et avec ce qui reste sur les yeux. Voilà, ça me fera office. Ça fait office de base. Donc c'est impeccable. Coin du nez. Voilà. Ensuite, je vais me faire les sourcils, figurez-vous. Et pour ça, je vais prendre donc ma nouvelle palette, j'ai décidé. J'ai hésité à acheter des produits à sourcils Kiko. Il y avait une promo, c'était deux produits à yeux achetés, un offert. Et puis finalement, je me suis dit non, je vais prendre plutôt cette nouvelle palette parce que là, il y a des couleurs très sympas, très foncées, là, ici, celle-ci et celle-ci. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de maquiller avec ça. Avec, d'ailleurs, il y a un beau miroir. Il faudrait que j'enlève. Voilà. Ok, ça c'est un régal à enlever. Voilà, un magnifique miroir. Et je vais prendre un pinceau pour les sourcils. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Ou c'est celui-là plutôt. J'ai des super pinceaux là. Et je vais prendre un pinceau tout fin comme ça là. Enfin fin. Assez dense. Et je vais prendre cette couleur-là. Voilà. Et je vais. Ouais, ça marche bien. Je m'en doutais que ça marchait bien. Et je vais mettre du fard à paupières sur mes sourcils. Voyez, ça marche bien. Ça marche très bien. Alors moi, j'ai pas les sourcils très épais parce que c'est mon goût. Moi, j'aime bien avoir les sourcils fins. Donc il faut un pinceau assez petit. Mais avec mon fard à paupières, hop. Voilà, ça marche très bien. Voilà, j'ai foncé un petit peu. J'ai comblé mes trous. C'est nickel. Ça marche nickel chrome. Je verrai à la fin de la journée si ça n'a pas tout coulé. Enfin, je pense pas. Franchement, ça marche très bien. Ensuite, je vais prendre un petit bronzer. Pour le bronzer, je n'ai pas acheté celui de chez Kiko. Je n'en ai pas, mais je peux vous dire que les bronzers, c'est pareil. J'étais à deux doigts d'en acheter. Ils sont super. Ils sont tellement fins, tellement soyeux.
Les bronzers, il y a des mats et il y a des lumineux dans la collection permanente. Je vais vous dire, au Black Friday, je pense que je vais me craquer pour quelques produits de la collection permanente, qui c'est des classiques. Le bronzer, par exemple, c'est un grand classique. Il est super sympa, il est vraiment chouette. Il est magnifique. Là, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai pas. J'ai beaucoup de choses, vous allez me dire. Donc, c'est pas la peine. Mais c'est vrai qu'il est vraiment sympa. Je vais prendre le beurre Tormel de chez NYX. Celui-là, hop, on n'en parle pas. Finalement, j'en ai fait mon affaire, figurez-vous. Hein, je vous disais, j'arrive pas à le faire marcher, mais finalement, au fur et à mesure de la vie là, eh ben, ça fonctionne. Je fais attention. Alors, j'ai eu une remarque pertinente hein, de Francine. Francine, qui est une de mes abonnées, qui m'a dit, oh là là, mais c'est vrai, quand même, quand tu te mets et du produit crème et du produit poudre par-dessus, ça fait pas très naturel, c'est un petit peu too much. Et je suis assez d'accord quand je re-regarde un petit peu la vidéo comme ça, vite fait. Effectivement, ça fait un petit peu too much. Donc là, je ne mets pas de produit crème, je mets que mon produit poudre. Et je pense, Francine, tu me diras ce que tu en penses. Je pense que c'est mieux. Et vous aussi, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que c'est mieux, c'est vrai. Il faut savoir aussi, ben voilà, observer et puis faire attention à ce qu'on nous dit. Effectivement, j'aime tellement me maquiller que je mets beaucoup, beaucoup de produits, mais des fois, c'est pas mieux. C'est pas mieux, c'est pas naturel. C'est vrai, je suis complètement d'accord. Donc là, je vais mettre que du produit poudre. Regardez. Alors, j'arrive à le faire fonctionner finalement. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment chouette, hein. Voilà, ça suffit. Et donc pour le blush, je vais prendre un produit de chez Kiko, collection permanente. Alors j'ai deux couleurs, ils sont géniaux. C'est les Velvet Touch, les blushs, les Creamy Stick Blush. J'ai la couleur 05, qui est comme ça. Superbe. Et j'ai une autre couleur que j'adore, qui est la couleur 01. Qui elle est beaucoup plus, voyez, regardez, ça se voit quasiment avec ma peau, ça se voit quasiment pas. Ça se voit bien, hein, là vous voyez pas très bien, mais je peux vous dire au naturel, ça se voit quand même. C'est super joli ici là, parce que ça donne quand même bonne mine et ça reste super super naturel. Les deux couleurs que j'ai, je les adore. Je vais mettre celle-ci, la 01. Donc moi j'en mets comme ça marche très très bien. Ça se fond hyper bien à la peau. Voilà, j'étale comme ça. C'est super joli. Je trouve ça vraiment. C'est vraiment. C'est super sympa. J'aime vraiment les Velvet Touch là, c'est vraiment chouette. Et il y a le highlighter aussi que j'ai failli acheter. Je ne l'ai pas acheté non plus. Jeanne m'a dit, ah, mais attends, moi j'ai un highlighter poudre, je vais te le prêter. Donc là, je l'ai pour aujourd'hui. Mais sinon, il existe en crème. Super sympa. C'est vraiment chouette, quoi. Donc ces petits blushs là, je peux même mettre une petite touche. Je vais peut-être mettre une petite touche de celui-là, là. Un petit peu plus corail. Hop, hop, hop. Juste sur le bombé de ma joue. C'est facile à mettre. Regardez, ça y est, c'est déjà étalé. Ils sont super ces produits. On n'en parle pas assez des produits Kiko. C'est vrai que Kiko, je trouve que c'est. On ramène ça en seconde zone là. Et puis, c'est sûr, on prend des produits super chers là, chez Sephora et tout. Je peux vous dire, chez Kiko, il y a des super produits de la collection permanente. Ils sont vraiment incroyables. Y a vraiment, vous pouvez pas vous planter là avec les trucs Velvet Touch. Ils sont vraiment super, ils sont extra bien quoi. Vraiment, il y a des chouettes produits. Le bronzer poudre, il est formidable. Les blushs, pareil, les blushs poudre. Hier, je regardais, il y en a qui sont irisés comme celui de chez Rare Beauty quoi. Donc vraiment super quoi. J'adore. Là, je vais prendre le petit highlighter. Donc les blushs, ils sont comme ça, ils sont super sympas. Et là, petit highlighter. Pareil, donc ça c'est Jeanne qui me l'a prêté. Hein. C'est le Glow Fusion Powder Highlighter. Et donc c'est la teinte 02. La voilà. Je prends un pinceau highlighter. Il est là, mon pinceau highlighter. Ça c'est ma collection. C'est Jessup. J'ai acheté ça sur Amazon. Là, ces pinceaux. Ils sont géniaux. Alors là, je peux vous dire qu'ils sont top du top. Et il y a même un petit
miroir dans ces petits boîtiers. Il y a un petit miroir qui marche très très bien. Et je mets, voilà, je me fais mon petit highlighter. J'en mets pas trop. Ma peau, regardez, mon teint, il est impeccable. Il est impeccable, il est lissé, il est, bah, grâce aussi au fond de teint, hein, qui est vraiment bien, le skin tint, mais au niveau du blush, du bronzer, le blush, l'highlighter, formidable, quoi. Vraiment, je suis super, super fan. Donc ça, c'est top. Donc, on s'est servi des blushs, on s'est servi de la base, très bien, l'highlighter, je le mets de côté, et je vais maintenant me maquiller les yeux. Je vais vous montrer ça. Cette palette, je l'ai craqué pour cette palette. Elle coûte 22,90 €. C'était pas prévu au programme, mais j'ai mis le doigt. C'est vraiment une mauvaise idée. J'ai mis le doigt dans ce fard-là. Et ça, c'est un fard qui est duochrome. Il est rosé doré. Il est sublime. Et je me suis dit, je veux cette palette. Mais à côté, regardez, on a aussi ce fard-là, là. Est vraiment superbe, c'est très crémeux. Il y a des fards qui sont moins crémeux, hein. Mais ça, c'est magnifique. Celui-là, il est un peu crunchy là. Le doré là, celui-là, c'est vrai qu'il est, il est moins bien. Il est plus crunchy, il est un peu moins bien. Mais par contre, bah, mon fard chouchou, il est là. Je vous montre. Il est incroyable. Il y a aussi ce petit pêche qui est hyper facile à mettre, et puis voilà. Et puis les autres fards m'ont l'air, c'est très très doux, c'est vraiment très très doux, c'est sublime, facile à trimballer. Elle est jolie, là voilà. Le packaging est beau, voilà, c'est tout. Donc, c'est top. Donc, je vais prendre ma couleur chouchou, évidemment. Je vais la mettre. Ce que je vais faire, parce que j'ai changé un peu de méthode, maintenant je mets carrément la couleur chouchou, la couleur sur le. Sur la paupière mobile. Donc, je vais même y aller au doigt. Voilà, c'est super beau. Ça, tout, vous voyez, pour aller bosser, c'est top. C'est très très beau. Ouais, je vais y aller au doigt, ça va être plus facile. C'est plus joli au doigt. Là. Voilà. Là. C'est vraiment très 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 doux, très très joli. Vraiment, c'est super beau. Je vais prendre un pinceau, un petit pinceau, et je vais prendre la couleur d'à côté, c'est celle-ci. Une couleur un peu plus foncée, voyez, ouais, hop, et je vais juste faire. Il y a un petit peu de chute, on dirait. Je fasse attention. Voilà. Hop là. Ok. Là, au coin de, bien en coin interne. Ok. Mon pinceau, un pinceau poudre, voilà. Je vais mettre en dessous également. Voilà. Elle est vraiment sympa, cette palette. Elle est vraiment, enfin, c'est vraiment très joli. Ça, je vais prendre un petit pinceau comme ça, et je vais prendre une couleur bien claire comme ça. Je vais éclaircir mon. Voilà, ça marche bien. Hop, sous mon arcade. Voilà. Ok, et puis je vais prendre un pinceau bien large comme ça, bien fluffy. Et je vais prendre une couleur très basique. Voilà celle-ci, hein, très neutre.
Hop. Et je vais juste pour estomper un peu. Voilà. Bon, elle est facile à utiliser, hein. C'est très doux. Les fards sont très très doux. Et c'est très facile à utiliser. Voilà. Très facile. Et je vais prendre un petit pinceau tout petit, comme ça. Et je vais utiliser le foncé. Hop, et je vais me faire un mini, mini liner. Un mini ras de cils, vous voyez. Voilà. Facile comme tout. Ok. Voilà. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est joli. C'est vraiment joli, joli, joli. Là, et je voulais mettre un petit coin interne. Faut que je trouve mon pinceau. Voilà, petit coin interne. Je vais prendre celui-ci là, qui est un peu champagne. Voilà, très efficace, sans problème. C'est vraiment chouette, magnifique. Petite palette très sympa, facile à utiliser, ça s'estompe super bien, c'est vraiment voilà, vous trimballez ça en voyage, il y a de tout, vous pouvez faire vos sourcils, un maquillage plutôt naturel. Là j'ai mis un duochrome sur les yeux, c'est très joli, très beau, enfin, voilà, c'est vraiment une palette très facile d'utilisation, c'est vraiment très chouette, vraiment très beau. Je vais prendre maintenant un recourbe-cils. Et je vais essayer le nouveau mascara, bien sûr. Donc, je vais d'abord me recourber un peu les cils. Voilà. Faut toujours se recourber un petit peu les cils. Ça fait pas de mal, ça ouvre le regard. Elle est vraiment sympa cette palette pour je trouve pour tous les jours. Et donc le nouveau mascara qui s'appelle le Maxi Mode. Maxi Mode, alors bah on va l'essayer. On va l'essayer ensemble. La brosse, elle est comme ça. C'est une toute petite brosse. Et la fille m'a dit, c'est pour bien prendre les cils. Donc, première couche. Oui. Bah oui, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais pas si on voit bien quand on essaie les mascaras. Le problème, je trouve que sur les vidéos, on voit pas très très bien. Alors, ça prend bien les cils. Le fait que ce soit une toute petite brosse, c'est très sympa parce que ça va jusqu'au bout. Ouais, c'est pas mal du tout. Et je vais mettre deux couches. Ah ouais, là, ça par contre, c'est donc ça me... C'est marrant, ça m'ouvre bien, bien, bien le regard, je trouve. Ça marche bien, hein? Il est vraiment sympa, ce mascara-là. Il est chouette. Et l'avantage d'une petite brosse, c'est que... Vous pouvez en mettre en bas. Moi, j'ai l'habitude de ne pas mettre de mascara en bas parce qu'à chaque fois, ça bave partout. Et là, on peut en mettre en bas. Ça fait des très chouettes cils. C'est vraiment, vraiment sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est très, très sympa. Il est vraiment bien, hein, ce mascara. Je suis contente. Nickel. Voilà, c'est parfait. Donc, un petit mascara de derrière les fagots, c'est parfait. Ce que je vais faire, je vais mettre le Prime and Fix. C'est la brume rafraîchissante. Ça, c'est nouveau aussi. Il y a une petite bille à l'intérieur. La brume, elle est très chouette. Regardez, déjà, le brumisateur, il est vraiment chouette. Et la brume, elle est très fine. Ça sent hyper bon.
une petite odeur hyper douce. La brume très fine, c'est vraiment agréable. J'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. Je vais mettre, j'ai pas mis, un petit crayon de la collection permanente sous les yeux. Un petit peu, un tout petit peu, dans la muqueuse. Ça marche très très bien, les copains. Voilà, un crayon marron dans la muqueuse. Là, il y a toutes les couleurs possibles, ça c'est le top. Et pour les lèvres, un petit lip liner de chez Kiko. Ça, c'est une collection capsule, mais enfin, ils en font dans collection permanente. D'ailleurs, regardez, c'est la fin. Celui-là, c'est mon chouchou. J'en avais acheté un deuxième. C'était Lost in Amalfi, la collection. Et c'est la couleur numéro 1. Elle est géniale. Elle est géniale parce qu'elle est un peu plus foncée dans la couleur de lèvres. J'aime beaucoup. Marron, mais un marron neutre, quoi. J'adore. Voilà, je corrige, je mets deux dans mes lèvres aussi. Et je vais mettre le nouveau lip gloss de chez Kiko. Cette couleur-là, elle est absolument incroyable. C'est la couleur 18. C'est un brillant à lèvres, un Hydra Lip Gloss. Ça, c'est le classique de chez Kiko. C'est ce qui marche super bien. Regardez ça. Magnifique. C'est beau. C'est super beau. J'éternue. Et voilà. Putain. Je déteste ça. J'ai oh, d'éternuer. Regardez. C'est beau. J'adore. Putain, j'adore. Les yeux, j'adore. Excellent. Je vais vous montrer ça. Bien à la lumière du soleil, mon maquillage est terminé. Je vous montre ça, regardez. Hop, on se met ensemble. Devant, voilà, ça je suis bien devant ma fenêtre. Je vous montre le teint. Il est nickel. Les yeux, alors attendez, est-ce que vous voyez bien les yeux? Ils sont superbes. C'est vraiment super sympa. C'est une palette pour tous les jours. Voilà, si vous allez travailler, vous voulez pas quelque chose de hyper voyant, quelque chose d'assez joli, d'irisé, de voilà, d'impactant, mais sans être trop waouh. Ça, c'est parfait. Et puis bah les voilà, les produits teint Kiko, franchement c'est valeur sûre. Hein. Il y a pas tortillé, comme on dit chez moi. C'est vraiment top. Voilà les copains, maquillage fait, tout Kiko. J'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos les prix. Et puis voilà, mais c'est rapport qualité-prix, c'est vraiment sympa Kiko. C'est vraiment chouette, c'est pas donné-donné, hein. On n'est pas du petit prix. Je trouve qu'ils ont bien augmenté leur prix quand même, donc c'est pas tout à fait donné. Mais vous pouvez avoir de très très jolis produits pour pas trop trop cher. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!